Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 181 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Dead Space. On avait déjà joué à Dead Space 2, on a joué à Dead Space 3. Et bah, aujourd'hui, on va se faire compléter la collection. On va se faire donc Dead Space 1. Donc c'est parti, appuyez sur une touche. Ouais. Déjà, on avait du joli graphisme. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, option, je vérifie. Graphisme, oui, c'est bon. Synchro, hein, qualité, c'est bon. Allez, allez. Et on y go. On commence une partie en mode facile. On est parti. Donc ça charge. Chargement. Génial, génial. Oh, c'est joli. Ils arrivent bien à faire des chargements assez. Hein. Assez pas trop ennuyé, quoi. Pas trop ennuyeux. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Peut-être un petit peu long. Un petit peu long chargement, mais c'est pas grave. Allez. Je sais pas quelle année il est sorti, je crois que je regarde. Allez, c'est parti. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Je regrette. Je regrette tellement pour tout. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Tout est allé par l'heure. Je peux pas croire ce qui se passe. Étrange. Petite chose. Combien de fois l'as-tu regardée? Elle doit te manquer. T'inquiète pas, on y est presque. Tu devrais pouvoir la trouver une fois à bord. Vous avez sûrement beaucoup de temps à rattraper. Écoutez-moi, nous y sommes. Synchronisons notre orbite. Tout ça pour un gros morceau de caillou. L'exploitation minière de l'espace rapporte beaucoup, Daniels. Et J7 est une vraie mine d'or et ça intéresse du monde. Cobalt, silicium, osmium... Bon, où est-elle? La voilà. Destination en vue. C'est donc ça, l'Ishimura. C'est l'USG Ishimura. Plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Où sont les lumières? Le vaisseau est si sombre. Caporal, faites-nous approcher et saluer. Et évitons le champ de débris. Nous venons réparer leur vaisseau, pas faire le ménage. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellion, envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Augmentons le signal s'ils sont à court d'énergie. Oui, je sais. Augmentez-le. Plus. Ces engins ne peuvent pas perdre tous leurs moyens de communication comme ça. Vous croyez qu'avec 1000 personnes à bord, aucune ne peut décrocher? Qu'est-ce que c'est? Un circuit grillé, comme on le pensait. À l'entendre, on dirait un problème d'encodeur. Allons-y avec Isaac, on pourra réparer. 48 heures max. Ok, c'est compris. On y va, allons réparer ça. Recherche gravité enclenchée. Atterrissage automatique à venir. Bordel! Chef, l'autopilote! Qu'est-ce qu'il y a? On dérive, nous allons heurter la coque! Sur les boucliers! Le rayon tracteur et HS, passez en manuel! Vite! En plein champ magnétique! Vous êtes malade! Annulez! Non! On peut y arriver! Caporal, ceci est un ordre! Tout le monde va bien? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez nous tuer ou quoi? Je viens de sauver vos fesses, Daniels. Le pilotage automatique ne tenait plus, on aurait très bien pu s'écraser sur la paroi. Alors on se calme et au travail. Caporal, au rapport. Les propulseurs n'ont plus l'air de répondre, et nous avons perdu l'autopilote et le signal radio. Ça va nous retarder. Ok. Allons trouver de l'aide sur place pour réparer tout ça.
Bouge pas, Isaac. Je synchronise toutes les rigs au vaisseau. Ok, c'est bon. Tout le monde se sent bien à l'aise? Parfait. On a encore du travail. Tous au boulot. Et nous voici, on a le contrôle du personnage, donc alors le temps de se familiariser vite fait. Le contrôle a l'air un peu différent des volets suivants. Alors, ouais, effectivement, je galère un petit peu à me diriger. Voilà, le temps de prendre un peu l'habitude. Il ne gère pas tellement pareil quand on tourne. D'ailleurs, je suis vachement près du mec. Donc je perds pas mal de visibilité, j'ai le truc au milieu qui me casse les noix, voilà. Ils sont totalement détruits. C'est pas alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle? Ok, rien du tout. J'ai cru qu'elle voulait me parler, non, même pas. Allez, on fonce. On est à fond, donc on a tout le système donc, avec notre vie dans notre dos. C'est ce qui représente notre vie, les quatre petites doses, là. Ça a jamais changé, ça a toujours été pareil, la combi en elle-même a pas tellement changé. Alors comment je fais pour ouvrir ces trucs, je sais pas. On attend. Alors touche d'action, actionner, ouvrir un débloquer. Ouais. Ça je m'en étais douté, en fait les portes bleues c'est les portes ouvertes, voilà. Les portes rouges c'est les portes qu'on peut pas ouvrir. Et la touche action qu'ils nous ont montré pour justement pour ouvrir les portes. Et voilà, alors qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, je rentre là-dedans. Et en fait, j'essaye de voir où c'est que je dois aller. Donc j'imagine qu'il faut aller là-bas. Donc la porte est fermée. Ça, est-ce que c'est ce qu'il faut l'actionner? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de. Il n'y a rien qui est apparu quand j'étais devant. Console de sécurité fonctionne. Isaac, essayez de voir ce que vous pouvez. Kendra, réactivez cette ascension. On repart. Plus de courant. Impossible. Alors faites-le revenir, bon sang. Parce qu'en même temps, il y a le dialogue qui se fait en fait entre les personnages. Et je crois bien qu'en fait, il faut un petit peu attendre, voir ce qu'il va se dire. Ouais. Traceur. Écran. Grand objectif. Donc ça y est, donc je peux savoir où c'est qu'il faut que j'aille, donc il faut bien que j'aille là-bas. Allez, ouvre-toi. Hop. Pratique ce traceur pour savoir où c'est qu'on doit aller. Donc il fallait bien que j'aille dans le coin, voir la machine. Ah, ça y est, un truc est apparu, voilà, un truc est apparu, chargé. Rapport dommage. Merde, ça sent pas bon ça. Les équipements ont morflé. Le tram ne fonctionne plus, ça va être dur de se déplacer. Moi, ils disent rien d'intéressant. Bon début. Alors, la porte est fermée maintenant. Ah, il vient de se passer quelque chose. Ah, attention les yeux. La quarantaine automatique de la ventilation. Ça sonne, l'alarme s'est mise à sonner. Alors, nous, on peut pas retourner avec nos coéquipiers. J'en sais rien. Oh, ils sont trois là-dedans. Oh putain. Il y a un truc qui vient de descendre. Grosse bestiole derrière lui. Attention, derrière. Tant pis pour lui. Voilà, il vient de se faire déchiqueter la tronche. Le pauvre. Nouvel objectif. Ah bah tiens, la porte s'est ouverte comme par hasard. Et donc maintenant, j'y vais. Et si je me retourne... Ah bah d'accord. Il y a un ennemi sur moi. Alors là, bah, comme j'ai aucune arme, rien du tout, je peux pas le taper. Donc il faut que je me barre en courant. Je me barre. C'est violent. Vite, l'ascenseur. Allez, vas-y. Et il est où le bouton de l'ascenseur? Il est où? Ah, il arrive. Voilà. Allez, bouge l'ascenseur, reste pas ici. D'accord. Ok, il essaye de rentrer. Non, reste dehors. Ouais, on va dire qu'il est à moitié rentré. Au sens propre. Comme au sens figuré. Il est rentré à moitié. Ouais, il y a des morceaux qui sont rentrés, d'autres non. Oui. Hop, je récupère
Ma nouvelle arme, donc c'est l'arme à impulsion là, comme on a sur les autres displays. On peut toujours taper normalement. Ah, pas y arriver. Voilà. Frapper. Donc bah oui, ça j'ai deviné avec quoi. Oui, parce que pour tirer avec ça, il faut donc comme dans les autres aussi, il faut viser avant et tirer après. En fait, si vous appuyez sur le bouton clic gauche. Ça met un coup de poing. Il faut appuyer sur clic droit pour viser et ensuite clic gauche pour tirer avec l'arme. Sinon ça ne marche pas. Alors là, j'imagine qu'il faut que je tire dessus. On va essayer. Hop, voilà, donc il me reste 10 charges dedans. Et normalement ça devrait... Voilà, bah, c'est ouvert. Ça s'ouvre. Donc lui, on va... Notre premier monstre qu'on va démonter, voilà. Oui, ils ont pas tellement changé hein, par rapport au premier. C'est toujours un peu les mêmes monstres. Qui se découpe un peu de la même manière. Je suis un peu déçu, je pensais qu'ils avaient fait des améliorations assez évidentes entre les Dead Space, que je m'aperçois qu'en fait, entre le Dead Space 1 et Dead Space 3, pas grand chose. Donc voilà, 9 recharges d'énergie plasma, ce qui me permettra de pouvoir buter du monstre un peu avec de la marge au niveau des munitions. Je me méfie parce que c'est le genre de jeu, comme on dit, on tourne un peu en rond. Le Dead Space 3, j'étais vraiment déçu parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous avancez, il y a des monstres qui apparaissent, d'un seul coup, magie, truc de fou qui font peur. Vous tirez dessus, vous dégommez, vous continuez à avancer. Et c'est un peu ça tout le temps et ça en devient très usant. Donc là, un mini kit de soins. Mais j'en ai pas besoin parce que pour l'instant, je suis en pleine forme. Ça, là, j'ai pas regardé ce que c'était, mais je m'en fous. Sans que ce soit des soins ou des armes, c'est pareil. C'est toujours bon à prendre. Hop. Donc là, il y a une petite armoire avec du fric. Alors ça, c'est une transmission vidéo directe, normalement. On va voir ce qu'elle dit. Isaac. On en a croisé d'autres sur le chemin. Tout va bien? D'autres quoi? C'était quoi ces choses? L'équipage? Baissez d'un ton. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dangereux. Et la moitié des portes est verrouillée à cause de la quarantaine. On doit rejoindre la passerelle. Mais d'abord, il va falloir qu'on répare le tram. Vous êtes fous, Hammond. Vous allez tous nous faire tuer. Si vous faites ce que je dis, vous sortirez d'ici vivant. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Le disque dur est grillé. Mais il doit y avoir un double à la maintenance. Il y a aussi une rame bloquée dans le tunnel qui a besoin d'être réparée. Bon sang, tout ce qu'il nous faut est de l'autre côté de cette zone de quarantaine et on ne peut pas y aller d'ici. Nous, non. Mais vous, oui. Isaac, si on rejoint la passerelle, on devrait pouvoir accéder aux fichiers du personnel. Vous réparez le tram et on cherchera Nicole. Allez, donc en attente, voilà, donc voilà, on peut ouvrir la porte. C'est bien ce que je pensais, il fallait regarder la transmission avant de pouvoir continuer. On va faire tout de suite nos 5 minutes de gameplay. Donc c'est parti, à partir de maintenant, et on va sûrement croiser du monstre et buter du méchant, en démembré surtout. Allez, donc c'est parti. Isaac,
Attention. Les tirs dans la tête ou le corps ne leur font rien. Visez les membres. Découpez-les. Ça devrait marcher. Conservez un tas de munitions pour démembrer vos ennemis et causer des dégâts plus importants. Avec ton module de stase, il devrait être utile sur ce mécanisme. Nous revoici en jeu. Alors là, je sais pas comment faire. Là, il y a des monstres encore partout. Putain, il arrive un peu, comment dire, aléatoirement. Donc là, bon, lui, c'est bon. Je fais bien attention qu'ils soient morts, qu'ils sont capables de se relever, ces salauds. Hop, de l'énergie plasma. Alors, je sais pas du tout comment et quoi faire. Alors. J'espère qu'ils sont morts, je fais attention parce qu'ils se relèvent tout le temps. Il suffit que j'arrive à côté, ils se relèvent. Ils essayent de me tuer, donc qu'est-ce que c'est que ça? Activé. Alors c'est un deuxième bras comme le premier. Ouais. Il fait rien, donc lui du crédit. Attention, qu'est-ce que c'était que ça? Ah, voilà, il y a eu de la poussière. Quand vous leur coupez la tête, ils n'avancent plus. Ils nous disent de les démembrer totalement, mais dès que vous leur coupez la tête, bah, y a plus grand chose quoi. Voilà, on récupère les soins. Hop. Un petit enregistrement qui se lance. Par contre, là, le bras, il n'est pas resté comme l'autre. Le premier était resté en l'activant. Que lui. Ouais, non, lui, il reste pas du tout. Il doit être un peu bugué. Alors, faut voir si on peut pas. C'est bizarre. Hop. Tirer du plasma dessus pour qu'il reste et donc remonter en haut parce qu'on a vu qu'il y avait un bras qui était défectueux en haut
et l'utiliser là maintenant tout de suite. Voilà. Remplacement de rame en cours. Patientez. Beau travail. Cette rame-là bloquait tout le système. Quand l'ordinateur sera reconnecté, tu pourras commander le tram depuis la salle des commandes. Fais au plus vite. J'entends quelque chose gratter dans le coin. Alors elle a entendu quelque chose gratter dans le coin alors qu'il n'y avait pas du tout à côté de nous. Alors j'imagine qu'il y a des ennemis qui vont apparaître, voilà. C'est bon, là c'est assez assez prévisible après avoir fait une action comme ça, qu'on croise des ennemis. Hop, énergie plasma, voilà. Donc là ils ont ça a remplacé la trame, mais je vois pas tellement en quoi ça nous aide. Remplacement réussi. Voilà, de la trame. D'ailleurs je sais même pas ce que c'est cette trame. Je sais même pas à quoi ça sert. Donc on va revenir là. Je ne sais pas du tout où il faut aller. Je sens venir l'ennemi à tous les coins de rue. Tous les coins de. En plus on entend l'ennemi mais. Je me demande où c'est qu'il est. Ah c'est flippant. Où c'est qu'il est? Ce qu'on va faire. J'en profite pour enregistrer. Voilà, enregistrer, oui. Je le fais souvent, hein. Comme ça, au moins, ça me permet de faire des points de passage au cas où. Hein. Au cas où je fasse vraiment de la grosse merde, ça me ferait chier de pas avoir enregistré et de devoir se retaper des trucs. Hop, on ouvre la caisse. Oui, au début, bon, j'ai compris comment on ouvrait les caisses maintenant. Au début, on avait croisé quelques caisses et j'avais pas justement compris comment faire pour les ouvrir. En fait, il suffit de taper dessus comme quand on fait sur les ennemis. En fait, comme dans Dead Space 2, comme dans Dead Space 3, ils ont gardé tous ces principes-là. Et bah là, c'est le 1, donc bon, ça veut dire plutôt que les principes existaient et qu'ils les ont gardés dans ces versions-là. Alors là, par contre, je crois que j'avais fait le tour. Hein, il n'y a pas d'autre chose à voir dans cette salle. Ça, peut-être. Voilà, module de stase. Ok, donc c'est pour remplir mon module de stase. Donc ça doit servir à quelque chose, peut-être si on a usé toute notre stase. C'est pour éviter de rester bloqué dans le jeu, je pense. Puisqu'on s'en est servi là, il y a deux secondes pour réparer là, justement la trame. Si on avait tout balancé comme un con un peu partout, on en aurait plus. Alors ça c'est là où je dois aller. Ah bah oui, donc ça c'est mieux effectivement. Donc il faut bien que je repasse par là d'où je viens en fait. Par le hall au milieu. C'est qu'on avait croisé des ennemis là-bas. C'est une sorte de... Le point central, on va y repasser, on va voir. Donc on y retourne. Allez. Ouais, donc je suis obligé de quitter la carte pour ouvrir la porte. Super. Voilà, on va utiliser le traceur. Qui nous dit bien qu'il faut que je retourne là. Hop, voilà. Donc voilà, il faut que je réutilise mon truc de stase. Sur sa porte, cette porte qui s'éclate à se fermer toute seule. Voilà. Alors, à droite, à gauche, gauche à droite plutôt. Oui, donc on va là-bas. Ah bah tiens, un ennemi, on bosse alors. Peut-être que je recharge à l'occasion aussi. Oh, casse-toi, attends. Oh, il y en a deux. Non, casse-toi. Ah, ennemi 2. Merde, ah, il faut que j'appuie sur E, je crois. Je crois que j'ai vu passer E. Voilà. Alors, à peine vu, c'est dommage parce qu'il avait quitté un peu l'écran, le E, par rapport à la vue qu'on avait. Voilà, j'ai un peu battu des bras tel un ventilateur. Parce qu'en fait, j'ai perdu de, j'étais un peu perdu dans mes touches. Alors, normalement, on retourne là. Je recharge avant de passer la porte, on sait jamais, parce que je le sens bien que croiser un petit ennemi là, non? Un petit ennemi surprise. Allez, on ouvre. On est en train de revenir là où on était normalement. Donc ici, on est passé. Ah oui, là, mon point de sauvegarde, j'en profite pour re-sauvegarder encore une fois. On sait jamais. Voilà, j'écrase ma partie. Oui. Hop, terminé. Alors, où c'est que je dois aller? L'ascenseur. Et on remonte dans l'ascenseur. Isaac,
La porte de l'entrepôt a l'air verrouillée. Il doit y avoir une clé à la maintenance. Ouais. Donc, je crois que je suis dans la maintenance, c'est ça? Ouais, alors. On va casser les trucs, je suis sûr que je vais croiser des ennemis. Je le sens bien, là, je le sens bien, là. Je le sens bien, là. Ah, bah, tiens, ouais, j'en sens deux. Ils viennent de loin, donc ça va, on a le temps de les, on a le temps de les calculer. Ils sont vraiment pas beaux, ces ennemis. Ils sont vraiment pas beaux du tout. Allez, encore un autre. Encore un autre, quatrième. Encore, ils viennent de loin, donc ça fait pas tellement peur. Ça fait juste chier, en fait. On casse juste les noix. Bon, bah, j'espère qu'il n'y en a pas un cinquième, quand même. Voilà, lui, il est arrivé de là, mais... je sais pas trop. Je vérifie qu'il soit mort. On n'est jamais trop prudent. On n'est jamais trop prudent. Je les démembre bien, parce qu'après... Et oui, il va se relever. Ah oui, il fallait les démembrer. Et bon, ils sont démembrés. Il en reste plus rien. Les petits bouts. Les petits bouts. Voilà, donc ça va être l'ascenseur pour aller à la maintenance. On va y aller. En ayant vérifié qu'il n'y a pas d'autres ennemis. Ah bah si. Oh bah, c'est alors un autre ennemi qui apparaît quand on a le dos tourné. C'est bizarre. C'est un peu dur à tuer d'ailleurs. Voilà. Ah, les ennemis, ils sont costauds ici. Alors, donc, on va prendre notre ascenseur et on va descendre ou monter, je sais pas. On va quelque part en tout cas. Est-ce qu'on descend, est-ce qu'on monte? On monte. Donc, on doit sûrement aller à la maintenance, comme il disait, pour chercher une clé. Oui, donc ça, je suis bien à la maintenance. C'est bien, c'était bien marqué sur la carte. Je vais prendre ce qu'il y a là-dedans. J'ai pas vu ce que c'était parce que je l'ai pris trop vite, mais c'est pas grave. Oh, ça alors des ennemis qui sont vivants alors qu'ils étaient censés être morts. Ils jouaient à cache-cache. Ils faisaient le mort. Ils étaient gentils. Ils sont gentils, les petits monstres. Ah, tu fais moi le malin avec ta tête en moi. Hein. Donc, ah bah, ça alors un autre ennemi. On va recharger. Putain, quand on recharge, ils en profitent. Voilà. À tous les coups, il va y en avoir d'autres pas loin. Non, c'est bon, énergie. Oh bah tiens, putain, plein d'énergie, nouvel objectif. Donc j'ai récupéré. Hop, les données. Si c'est pas beau. Donc voilà. Donc on va retourner de là d'où on vient. De toute façon, la flèche bleue nous aide beaucoup. Comme par hasard, il y a des ennemis qui sont apparus. Hein, voilà. Ah, j'insiste en fait sur le fait que les ennemis, il y en a tout le temps là où on s'y attend en fait. C'est toujours un peu la surprise, mais bon, ça semblait tellement évident, tellement, j'ai envie de dire, cliché qu'ils apparaissent quoi. Ça alors, ah bah par contre lui je l'avais pas imaginé lui par contre. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre? Non. Ouais. Donc là, on est bien revenu là où on était. Hein. Je suis pas fou. On y était, donc on continue. Heureusement que j'ai le traceur qui me permet d'aller voir où c'est que je dois aller à chaque fois. Oui, tout à l'heure, on n'était pas allé par là. Hop. J'en profite pour récupérer l'énergie plasma du mec que j'ai tué tout à l'heure. On n'était pas allé par ici et on doit sûrement avoir autre chose. Ah bah oui, la porte. Voilà la porte qu'on doit pouvoir ouvrir justement avec la clé. Voilà. Ouvrir la porte. En imaginant que nous on pouvait même pas passer, je pense que les ennemis non plus. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Amélioration, améliorer vos armes et ériger avec les points de force. Alors activons cette machine. Comment je fais? Alors, cutter, gutter plasma, c'est n'importe quoi. Ouais, est-ce que je peux l'augmenter ou pas? Je crois bien que j'ai pas de points à distribuer en fait. Je suis dans la machine, mais ça sert à rien. D'accord, donc il y a rien qui marche, normal. On ferme la machine. Et alors, il y a dedans
Ah bah, point de force acquis. Bah c'est bien, mais je veux pas y retourner dans la machine. Casse les noix. Et ça, c'est... des machins de kit de soins moyens. Par contre, les autres cahiers, je peux pas les ouvrir. Alors, elle nous dit quoi, elle? Ouais, on va se faire mettre. Ah bah tiens, comme par hasard, un monstre en même temps. On profite pour le dégommer. Allez, viens. Et je vais tirer trois fois dans le dos. Là, il a capté que j'étais là. Voilà. Mais donc, on va pas aller plus loin. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Ce sera tout donc pour Dead Space. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.